Avez-vous un ancêtre chinois dans votre généalogie? Une question complexe pour beaucoup de familles du Fénois. Raison pour laquelle Louis Shunsen Fan prépare son exposition avec ses rosaces généalogiques qui répertorient plus de 100 familles chinoises. Vous allez voir des choses qui vous surprennent et il faut absolument venir parce que vous allez voir que on peut cheminer vers vos racines d'une manière très douce. Vous allez découvrir vos ancêtres relativement facilement. Pour certains comme Robert, s'informer sur l'histoire de sa famille est très importante, surtout pour les générations futures. Je veux savoir d'où je viens, de côté parents paternel, côté maternel, qui sont mes tupunas. En fait, c'est ce que j'ai envie de savoir, c'est leur prénom. C'est pour faire revivre le prénom, mettre sur mes enfants. Très souvent, les jeunes filles qui ont des bébés avec les Chinois, une fois qu'ils se marient, le mari reconnaît. Donc on n'a pas de certitude et on a du mal à trouver ce Chinois. Par contre, il descend de très grandes familles royales. Son ancêtre vient de Rotuma, le fameux Tefatou, qui d'ailleurs est l'ancêtre de notre président. Si vous avez encore des doutes sur votre généalogie chinoise ou polynésienne, n'hésitez pas à vous renseigner lors de cette exposition du Sinitang. Elle sera ouverte demain de 8h à 17h jusqu'au dimanche 20 janvier.